Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et on va faire aujourd'hui donc une préparation au célèbre morceau acoustique de Led Zeppelin qui s'appelle Baby, I'm Gonna Leave You. Ce morceau est tiré du fameux album Led Zepp 1 de Led Zeppelin. Aujourd'hui je vais donc vous montrer les positions principales à faire sur la guitare. Vous aurez donc quelques jours pour les travailler et d'ici une semaine ou 10 jours, on travaillera à partir de cette position tous les développements mélodiques et les petits enrichissements que Jimmy Page fait sur cet arpège. On est donc aujourd'hui dans le mythique, dans le culte, donc les amis, à vos guitares acoustiques, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va regarder les bases du morceau et la semaine prochaine, on ira un petit peu plus loin en travaillant les vraies parties de Jimmy Page sur Baby, I'm Gonna Leave You. On est donc en tonalité de la mineur, donc voici le la mineur. Et donc en fait, il va falloir poncer l'arpège assez rapidement, soit à la croche aux alentours de 120, soit à la double croche aux alentours de 60 à la noire. Donc pour cette préparation, voilà ce que nous allons faire sur l'accord de la mineur. On va attaquer l'accord de do la avec le pouce, l'accord de ré avec l'index, l'accord de sol avec le majeur, et la corde de si avec l'annulaire. Ce qui nous donne donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on va faire ça deux fois. 1, 2. D'accord. Deuxième accord, on va déplacer le troisième doigt ici à la troisième case sur la grosse corde. Ce qui va nous donner un accord de La mineur 7, basse de Sol. La basse va donc changer, le pouce va attaquer la grosse corde, et les trois doigts, comme tout à l'heure, vont attaquer la corde de Ré, Sol, Si. Et on va faire ça deux fois. On a donc première mesure La mineur, deux fois, basse de La. Deuxième mesure, le troisième doigt qui bouge, pour faire un La mineur 7, basse de Sol. D'accord ? Pour le troisième accord, je vais vous montrer deux possibilités de doigté. D'abord, celui que j'affectionne avec le pouce. Si vous suivez mes tutos, vous savez que j'utilise beaucoup le pouce. Et je trouve ça assez pratique. Donc, on était sur un accord de La mineur, basse de Sol. Le pouce va aller à la deuxième case ici. Mon premier doigt va rester en place et je vais placer le majeur, corde de sol, deuxième case, et le troisième doigt sur la corde de si, troisième case, et donc en fait sur la même corde que mon premier doigt, d'accord? Et donc ce premier doigt-là servira la semaine prochaine ou dans 10 jours à faire les petits changements mélodiques, d'accord? Donc en fait, je suis à la deuxième case ici, j'attaque avec le pouce. Et rebelote, ici, j'attaque toujours les cordes de Ré, Sol, Si, donc ce qui me donne Ré à vide, corde de Sol, deuxième case, et avec la corde de Si et l'annulaire, la troisième case. En fait, ça me donne tout simplement un accord de Ré, basse de Fa dièse. D'accord? Il y aurait une autre manière de faire cet accord-là sans le pouce, et on pourrait le faire comme ceci. D'ailleurs que c'est la position de Jimmy Page. Donc en fait, le premier doigt reste toujours en place. On va prendre la deuxième case tout en haut avec le majeur. Et
la deuxième case corde de sol avec l'annulaire et le petit doigt à la troisième case de la corde de si. D'accord ? Donc on pourrait le prendre comme ça. Donc ça va être à vous de chercher quelle position va vous paraître la plus naturelle. Je reprends ma manière, la mineure, deux fois, la mineure basse de sol. Ok ? Ou alors comme ça. Ensuite, on aura un accord de Fa. Encore une fois, je vais me servir du pouce. Comme ça, j'ai plus qu'à placer mes trois doigts comme ça en diagonale. Première case sur la corde de Si. Le deuxième doigt, corde de Sol, deuxième case. Et le troisième doigt sur le Fa, corde de Ré, troisième case. Et j'ai juste le pouce à rajouter ici. D'accord ? Et comme d'habitude, j'attaque la basse, cette fois-ci donc sur la corde de Mi, et corde de Ré, Sol, Si. Deux fois. Oups. Une fois. Parce que derrière, on va faire un Mi. D'accord ? Fa et Mi. Alors évidemment, le Fa, on pourrait le prendre comme un Fa tout à fait normal en barré. Pour moi, c'est dur. Et donc, j'ai plus de facilité à prendre ça. Donc, Fa et Mi. Donc, résumons un petit peu tout ce qu'on a vu. Accord de La mineur, deux fois. En double croche ou en croche. La mineur, 7 basse de Sol. Ré basse de Fa dièse. Deux fois la même chose. Et là, un Fa. Et un Mi. Ce plan-là sera à faire 6 fois. 2 fois en introduction, 4 fois avec les paroles. Je vais le faire 2 fois lentement. Fa dièse. Fa. Mi. Deuxième fois. La. Sol. Dans les basses. Fa dièse. Fa. Mi. Ok ? Donc à faire 6 fois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On va sur le Fa, deux fois, le Mi, on refait Fa deux fois, et on refait Mi deux fois. Ensuite, on revient sur le plan du début, une fois, la mineur 7 basse de Sol, Ré basse de Fa dièse, Fa, Mi. Ensuite, il y a un plan rythmique très sympa à faire, où on va se servir de la position de La mineur. Ce La mineur, on va le déplacer à la 8e case. Et ensuite à la 6e case. L'idée, en fait, c'est de faire, en fait, ici, c'est comme un Mi mineur. Et ici, comme un Ré mineur. Donc l'idée, en gros, c'est de jouer La mineur, Mi mineur, Ré mineur. Ici. Donc, rythmiquement, en fait, je mets de la paume pour jouer en l'air les croches. Ces accords-là sont en l'air du temps. Et des croches. Ok, une dernière fois, ça fait 4 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on revient sur le début du plan. Donc pour résumer très lentement l'étude du jour, qui est une préparation pour le prochain tuto de Baby I'm Gonna Leave You, La mineur, Sol, Fa dièse avec le pouce, pourquoi pas, Fa, Mi, à faire 6 fois, ensuite Fa, 2 fois, Mi, 2 fois, Fa, 2 fois,
mi deux fois. Ensuite, on revient une fois sur le plan. Fa, mi. Quatre fois. Ok. Je fais que deux fois. Et ensuite, on revient là-dessus. À vous de jouer, les amis. Bon courage et bonne musique. À bientôt.